Avant toute chose, je voulais préciser, je ne suis pas fan de Billie Eilish. Je n'écoute pas ce style de musique, à part sur TikTok, je crois que j'ai reconnu une chanson où c'était elle parce que par hasard, j'ai fait le lien en voyant une pub sur YouTube, vous voyez le genre. Mais je n'écoute pas ces sons, donc désolé si ça vous semble bizarre que du coup j'ai envie de me faire sa couleur de prédilection, mais voilà. Il faut savoir que de base, j'étais très contente avec ce noir et j'ai laissé pousser parce que j'avais la flemme, tout simplement, de refaire ma coloration. Et je me suis dit, bon, la chiro, t'as des racines, quoi! Des racines! J'ai bien ça de racines, bah, en tout, hein, pas de chaque côté, mais genre en tout. Et je me suis dit, bon, ça fait très, très, très longtemps que je veux faire la coloration toxique UV de chez Crazy Color. Je vous mettrai une petite image juste ici. C'est une coloration vert fluo du plus bel effet qui en plus se voit aux lumières noires. C'est le bon compromis parce que là, décolorer du noir, j'ai pas envie. Même si mes cheveux sont courts, etc., j'ai pas envie de les bousiller étant donné que déjà les colorations, on sait, c'est pas top. Donc là, je vais devoir déjà décolorer mes racines. Mes racines naturelles, elles se décolorent plutôt bien. Plutôt bien. Mais il va y avoir forcément un peu de noir à décolorer pour avoir un effet un peu plus effilé, que ça fasse pas forcément une grosse barre verte. Donc je suis mitigée. J'ai vraiment peur que ça fasse orange et que le vert recouvre rien parce que je sais pas vous, pour ceux qui se colorent les cheveux, mais moi, Crazy Color, ça ne fonctionne pas toujours, hormis leur couleur fuchsia, là, hyper rose pétant. Que ça a tenu pendant hyper longtemps quand j'en avais fait. Je suis vraiment mitigée, j'ai vraiment très peur. Mais en même temps, je me dis, je prends pas de risque, même s'il y a de la déco. Je pourrais tout recouvrir en noir si jamais ça va pas. J'espère pas parce que je vais lui dire 1000 fois merci, mais j'arrête pas de lui dire merci. Mais c'est une copine qui m'a payé mon panier en fait sur Bleu Libellule, parce que j'achète mes produits sur Bleu Libellule quand je fais des colorations un peu tricky, un peu fun, un peu you know. Donc merci à elle, j'espère juste que ça va pas bider parce que bon voilà. Le seul truc qui me freine, on va dire, c'est que il va y avoir forcément des repousses et il va falloir refaire des décos plus recoloration, etc. Mais j'ai vu sur Billie Eilish que des fois elle laisse pousser ses racines et c'est pas moche. Et je pense qu'on est sensiblement dans la même couleur de base. Donc voilà. Alors je me suis changée parce que bien sûr ça tâche. Et je vais faire une première partie devant vous, mais après j'irai dans ma salle de bain. Donc j'ai mélangé ceci, un oxydant 30 volumes. C'est un peu fort 30 volumes, donc si vous n'avez pas l'habitude des décos, vaut mieux pas. Et ceci, un sachet de poudre décolorante. C'est pas mal parce que déjà la dose est toute faite et vous mettez avec 90 ml d'oxydant, donc 45 grammes, 90 ml. Moi, j'ai oublié que les bouteilles étaient graduées. Du coup, j'en ai mis beaucoup plus, mais ça devrait aller quand même. Bien sûr, mettez des gants, j'ai oublié d'en acheter. Je vais pas aller acheter une boîte de 100 au supermarché d'à côté pour ça, donc tant pis, mais normalement, mettez des gants. J'ai tout mélangé là-dedans, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai un bol doseur avec un pinceau, etc. Le mieux, c'est de le faire sur cheveux sales parce que ça protège plus le cuir chevelu. Petite coupe de Mireille Mathieu, on apprécie. Donc je prends un peu de produit sur mon pinceau. Tac. Alors si je regarde en bas, c'est parce que mon miroir est en bas, hein. Mais comme ça, vous voyez au-dessus. Donc je vais faire ça tout le long de cette largeur-là, qui est à peu près la largeur des racines que j'ai. Et après, je vais juste faire quelques traits comme ça, pour étirer un tout petit peu plus, parce que peut-être que ça va être un petit peu just d'avoir juste ça. On va voir comment ça va donner sur le noir et du coup j'ai un deuxième sachet au cas où qu'il y ait besoin d'une deuxième déco. Ça y est, j'ai fait la déco, je suis pas sûre du tout, genre sur derrière. Oui, là c'est sous un plastique pour que ça chauffe un peu, je vais laisser poser 30 minutes. Ça commence déjà à me picoter un petit peu. Après je suis pas très douillette de ce côté-là, donc c'est vrai que des fois j'ai tendance à laisser trop poser. J'ai un peu galéré sur l'arrière, je me suis dit au début peut-être que je vais faire que l'avant. J'avais séparé en quatre parties. Et finalement, je suis quand même partie sur l'arrière, mais je pense que ça va être une catastrophe derrière. Et même si on voit pas, j'ai pas envie que ce soit pas nickel le vert et tout. Et le vert, il y en a pas beaucoup. C'est des petites bouteilles chez Crazy Color et
Bref, je suis un peu en train de paniquer. L'étape d'après, c'est que je vais shampouiner ça, voir si j'ai besoin d'une deuxième déco ou pas, mais je pense que oui, surtout, enfin, derrière et je... Maintenant, je regrette d'avoir fait derrière, mais bon, bref, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Et si ça va, que j'ai pas besoin d'une deuxième déco, je vais faire un shampoing violet pour essayer d'atténuer le jaune au maximum. Après, ça va parce qu'on fait du vert derrière, donc il y a déjà du jaune dans le vert, donc ça devrait pas faire des micmacs, quoi. Ça, au pire, ça sera plus foncé ou plus clair, peu importe, mais ça devrait aller. Alors, on en est là, au niveau des racines, il y a vraiment du orange comme je pensais. Du coup, je sais pas trop. Je veux pas me risquer sur une deuxième déco parce qu'il faudrait que je la mette que sur les bouts et c'est encore plus technique que reste. Donc, je vais faire un re-shampoing violet. Là, j'en ai déjà fait un, mais je vais en faire un que je vais laisser poser, peut-être sur cheveux secs. Voilà. Bon, bah, le orange n'est pas parti du tout, hein, mais. On vit dangereusement. Donc j'ai versé ma coloration verte. Regardez, on dirait pas du tout la couleur que c'est censé rendre, hein? On va bien voir. Bon, ça a l'air d'être. Là, vous verrez pas aussi bien que dans la réalité. Ça a bien pris. Ça a l'air d'avoir un peu tué le orange. Par contre, voici mes mains. Yes! J'espère que je vais pouvoir enlever, sinon avec de l'acétone ou quoi. On va attendre 35-40 minutes maintenant. Et j'espère, je croise les doigts que ça ait fonctionné parce que franchement là j'en ai marre. Et voici le résultat. Il reste encore un petit peu de orange par-ci par-là. Honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. Derrière, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment la catastrophe. Mais bon, je me dis que c'est rattrapable. Je referai des colorations vertes derrière. Faudra peut-être que j'en rachète parce que c'est vraiment tout petit, hein. Vraiment les tubes, c'est pas assez, hein. J'en suis très contente, honnêtement. Bon là j'ai semi-lissé parce que je voulais pas trop leur faire du mal non plus. Mais vraiment, faire des colorations, c'est tellement ma vie. Oui, je me regarde dans le retour qui est là. Franchement, ça faisait un an que j'avais rien fait d'extraordinaire à mes cheveux parce que je me suis rasé la tête en décembre 2019 et après j'ai fait que ma coloration noire parce que ma couleur naturelle elle tire sur le roux et ça me va pas du tout au teint. Enfin bon, bref. Et je suis trop contente. Déjà, je voulais tellement tester cette coloration. Franchement, vous la trouvez pas sublime? Ce vert, il est ouf et c'est vraiment, il est très très proche de celui de Billie Eilish, je trouve. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ce qui fait que vraiment, j'ai vraiment envie de tester cette couleur, c'est parce que elle réagit normalement à la lumière noire. Donc je vais éteindre les lumières et on va voir si ça fonctionne tout simplement. Ça fonctionne! Oh, bon, j'ai pas mis le noir maximal, là je me regarde dans le truc, mais regardez! Eh, c'est un truc de ouf! Bon, par contre, ça se voit, j'ai débordé, hein! Oh, c'est vraiment trop magnifique. Regardez. Oh, c'est trop trop beau. Franchement, je suis ravie. Donc voilà pour cette nouvelle couleur. Je me dis que si jamais j'ai envie de rattraper, je rajouterai du noir à la main avec des gants, tout ça, cette fois. Pour rattraper le orange, ça sera plus facile avec les doigts. J'y arriverai vraiment mieux. Dites-moi si ça vous a plu de voir ce petit changement de capillaire, ça faisait longtemps et je sais que vous aimez bien les Pimp My Hair même si c'est pas du tout le thème de ma chaîne. Je me dis je peux pas ne pas vous partager ce genre de folie capillaire. Dites-moi en commentaire quelle autre star je pourrais faire et ce que vous aimez comme coloration si vous avez déjà tenté. Racontez-moi votre vie en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.